Et on va dire salut YouTube. Voilà, vous êtes sur YouTube et sur Twitch, on y est. Il est temps de connaître le nom des 10 premiers pays qualifiés pour la grande finale de notre Eurovision 2021. Je vous rappelle que la finale aura lieu en direct sur Twitch à 20h30 le 12 mai prochain. Ils étaient 16, il ne va plus en rester. Du coup, eh bien, que 10 malheureusement. On espère peut-être pour vous que vos pays favoris y seront. Je vous rappelle que les votes ont été faits avec 39 jurés qui ont été sélectionnés en amont et surtout le vote du public présent sur Twitch lors de cette soirée. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir y aller. Le premier pays qui se qualifie pour la grande finale de notre Eurovision 2021 est... Chypre ! Elena Tsagrinou avec El Diablo qui se qualifie donc pour la grande finale de notre Eurovision 2021. Voilà donc pour le premier pays qualifié pour l'instant. On a Chypre. Reste encore 9 places à aller chercher, bien sûr. Le deuxième pays qualifié est... L'Ukraine, l'Ukraine Goa avec leur titre Shoum qui se qualifie également pour cette grande finale de notre Eurovision. Je vous rappelle, ce sera le 12 mai prochain. Le troisième pays qualifié est... Oui, alors, est, enfin sera, enfin bon, il n'y a plus la musique qui fait peur, mais c'est pas grave, tant pis. Le troisième pays qualifié est... Mesdames et messieurs, le troisième pays qui se qualifie, c'est la Suède avec Tusse et son titre Voices qui se qualifie également pour la grande finale de notre Eurovision 2021. Le quatrième pays maintenant qui va partir en finale, c'est la Lituanie. La Lituanie, les tenants du titre, on rappelle évidemment le groupe The Whoop qui avait remporté l'année dernière la timbale de notre Eurovision 2020. Ils se qualifient donc avec leur titre Discothèque. Le cinquième pays maintenant à se qualifier, eh bien... C'est Malte, Malte avec Destiny et son titre en français, mais uniquement le titre en français qui est donc Je me casse. Nous avons pour l'instant 5 pays qui sont qualifiés pour la grande finale. Il reste encore 11 pays qui veulent avoir l'une des 5 dernières places restantes. Mais qui se qualifiera pour la finale? Eh bien, je peux déjà vous dire que le 6e pays à se qualifier pour la finale, c'est la Roumanie avec Roxane et son titre Amnesia, qui donc eh bien, se qualifie également pour la grande finale du 12 mai prochain. Je vois dans le chat que certains sont déjà tristes, déçus. Rassurez-vous, reste encore 4 places. Donc tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, bien sûr. Le 7e pays à valider son billet pour la finale, eh bien, c'est la Russie. Manija et son titre Russian Woman, qui donc se qualifie également pour la finale. 7e pays qualifié. Il reste plus que 3 places. 3 places pour 9 pays, il nous reste la Slovénie, l'Australie, la Macédoine du Nord, l'Irlande, la Norvège, la Croatie, la Belgique, Israël et l'Azerbaïdjan qui va donc pouvoir aller en finale de notre Eurovision 2021. Le 8e pays qualifié. Je vous rappelle que ceci évidemment n'est pas le classement de la soirée, c'est un ordre qui a été décidé en amont, entre guillemets, non, voilà, aléatoire, c'est pas un ordre qui reflète du tout le classement, rassurez-vous les amis. Le 8e qualifié pour la finale de notre Eurovision 2021. C'est la Croatie avec Albina et sa chanson TikTok. La Croatie donc qui va se qualifier pour la finale de notre Eurovision 2021 dans 2 petites semaines. Il ne reste plus que 2 places seulement pour 8 pays. Ça devient... Je suis sur les nerfs, moi je suis sur les dents. L'avant-dernier pays qualifié pour la grande finale de notre Eurovision 2021, c'est l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan avec Effendi et Matahari qui se qualifient donc pour cette finale et ils ne sont plus ben voilà, qu'une seule place restante. Une seule place, est-ce qu'elle reviendra à la Slovénie, à l'Australie, la Macédoine du Nord, l'Irlande, la Norvège peut-être, la Belgique ou encore peut-être Israël? Il ne reste plus qu'un seul pays. Qu'est-ce que vous voulez voir dans le chat? Tiens, je vois du Norvège, Belgique, Israël dans le chat, Australie aussi un petit peu. Voilà, donc ça semble se jouer principalement. Vous voulez la Belgique, la Norvège ou Israël, un petit peu d'Irlande aussi. Je vous rappelle que vous avez voté à 50%, donc peut-être que ce sera l'un des 3 pays que vous avez cités ici. Il est temps de faire taire le suspense, mesdames et messieurs. Le 10e et dernier pays qualifié pour la finale de notre Eurovision 2021, en tout cas à l'issue de cette première demi-finale, eh bien, c'est... La Belgique avec Hooverphonic et son titre de Wrong Place qui se qualifie. Oui, écoutez, c'est une petite tradition, fallait bien mettre la Belgique en dernier. Ils passent toujours en dernier de toute façon quand ils se qualifient à l'Eurovision. Vous les avez, les 10 premiers pays qualifiés pour la grande finale de notre Eurovision 2021. On retrouvera donc en finale Chypre, l'Ukraine, la Suède, la Lituanie, Malte, la Roumanie, la Russie, la Croatie, l'Azerbaïdjan et la Belgique, mesdames et messieurs, vous avez les 10 premiers qualifiés. Ils rejoignent donc les pays du Big Five, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, ainsi que le pays hôte, les Pays-Bas, qui passeront en numéro 23 lors de la grande finale le 12 mai prochain. Voilà, les jeux sont faits, hein, c'en est terminé là. Merci YouTube, on se retrouve très vite évidemment.